et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais annoncé, je vais vous parler du pistolet Makarov qui va finir la série que j'ai commencé en 2017 sur les armes russes. La première arme que je vous ai présentée dans la série russe était le revolver Nagant 1895 avec sa munition en 7.62-38 ou 7.62 Nagant. Ensuite, je vous ai présenté le Tokarev TT-33, donc arme qui est sortie en 1933. Et c'est cette arme-là que les Russes ont l'intention de remplacer. La munition, c'est le 7.62 Tokarev ou 7.62-25. Les Russes considèrent que cette arme, alors pour certains, trop puissante, trop lourde, un peu encombrante, mais surtout, le gros souci, c'est en fait le problème de sécurité. Alors, une perte de chargeur, parce que le bouton est mal placé à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment, quand on a l'arme en main, on a le pouce sur le bouton de chargeur, donc il y a eu des incidents de chargeurs qui sont tombés. Alors c'est vrai, quand on est en pleine opération, c'est pas très sérieux, parce qu'on a une munition qui sort et puis le chargeur reste par terre. Mais surtout, c'est qu'en fait, on n'a aucune sécurité sur cette arme-là, hormis un demi-cran du chien. Donc, il est bien évident que quand on prend cette arme dans le holster, quand on la rentre, quand on la sort et autres, ce demi-cran-là, c'est quand même pas quelque chose de très très sérieux. Donc les Russes considèrent que cette arme-là a quelques problèmes, quelques soucis, au niveau surtout sécurité. Donc le programme consiste à remplacer cette arme et à trouver une arme pour lui succéder qui soit parfaitement sécurisée. Et on arrive donc, en fait, au Makarov. Makarov 9 mm. Alors, c'est le 9 mm Makarov qui n'a rien à voir avec le 9 mm Parabellum ou 9 mm Lugère. Simplement, les Russes recherchent une munition pour leur nouvelle arme. Partant du principe que le 7.65 est un peu léger, c'est un calibre qui est, à cette époque-là, assez utilisé. Donc, ils font des recherches sur le 7.65, mais ils considèrent que c'est quand même une munition un peu légère. Le 45 ACP ou le 11.43 qui est utilisé par les Américains depuis 1911, voilà, pas question que le bloc de l'Est utilise cette munition-là. Ni le 9 mm, ni le 45 ACP. Donc on invente une nouvelle munition. Et c'est Boris Samin, russe, ingénieur russe, qui va inventer le 9 mm Makarov, enfin qui deviendra 9 mm Makarov. Au départ, c'est Samin qui invente, c'est le 9 mm Samin. Alors ce 9 mm, par rapport au 9 mm standard Lugère, pas une grosse différence, mais suffisante pour qu'on ne puisse pas utiliser ces munitions dans un 9 mm classique. Là, vous avez le 9 mm Parabellum avec une douille de 19 mm de long et une ogive de 9 mm. Le 9 mm Makarov, Semine, a une douille qui fait 18 mm, on a 1 mm de moins, un diamètre légèrement supérieur pour pouvoir recevoir une ogive qui, elle, fait 9,2 mm de diamètre. Voilà la grosse différence entre les deux munitions, sachant qu'on ne peut pas utiliser un 9 mm Makarov dans un 9 mm classique, et réciproquement, on ne peut pas monter de 9 mm Lugère dans un 9 mm Makarov. Alors pour vous parler du 9 mm Makarov,
Il faut en fait remonter à la fin de la guerre, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, donc en décembre 1945. C'est à ce moment-là que les Russes lancent leur fameux programme pour rénover leur nombre de points. Ils partent sur tous les bureaux d'études et tous les ingénieurs sont mis à contribution pour essayer de trouver l'arme idéale, sachant que déjà on a une munition qui existe, c'est le 9 mm Semin. Fin de la guerre en mai 1945, l'Europe est divisée, l'Allemagne est en ruine, le Troisième Reich est tombé, toute l'Allemagne est vaincue et suite au traité de Yalta, les Anglais, les Américains et les Russes se divisent l'Europe. Les Français sont légèrement absents de cette distribution. Il faut savoir que l'Allemagne est divisée en deux. On aura l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Sur l'Allemagne de l'Est, on va retrouver des arsenaux et en particulier l'arsenal où est fabriqué un fameux pistolet, le pistolet emblématique du Troisième Reich, qui est le Walther PP. Donc je ne peux pas vous parler du Makarov sans vous parler du Walther PP, qui est en fait l'original du Makarov. Les Russes vont utiliser le Walther comme modèle. Donc ils prennent toute la partie est de l'Allemagne, en particulier la compagnie Walther, qui est située à ULM à côté de Stuttgart, où ils fabriquent ce fameux pistolet. Ils vont donc récupérer les plans, les outils de fabrication, tout le savoir-faire allemand, sachant que ce pistolet-là est vraiment une machine de guerre infernale, si on peut dire, dans le sens où c'est un petit peu la Rolex de l'arme de poing. Sachant que je vais vous parler de cette arme-là dans la série dédiée sur les armes de poing allemandes. Mais je suis obligé de vous en parler aujourd'hui parce que sinon on ne pourra pas comprendre comment est fabriqué le Makarov. Les Russes lancent leur programme, de nombreux bureaux d'études se mettent en place, Korovin, Barisnen, je vous les mettrai tous sur la vidéo, et Makarov, Nikolai Fyodorovitch Makarov, qui est né à Sassovo le 9 mai 1914, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Il est mort le 14 mai 1988 à Toula. Alors tout le monde connaît Toula en URSS, sachant que nombreuses armes, et en particulier le Mosin Nagant, est fabriqué à Toula. Il a d'ailleurs fait ses études à Toula, il a fait sa formation dans les écoles militaires de Toula. Et cet ingénieur Makarov va utiliser, alors ça c'est assez ingénieux je dirais, très intelligent, il va utiliser le savoir-faire allemand de la fabrique de la compagnie Walther pour fabriquer son Makarov. Donc il va demander à son bureau d'études et aux ingénieurs qui travaillent avec lui de reprendre exactement la fabrication du Walther dans tous les détails, et de fabriquer le Makarov, sachant que le Walther, lui, est utilisé avec une munition de 7,65, et le Makarov va être utilisé avec le 9 mm Makarov ou 9 mm Semin. Donc c'est pour ça qu'on a une taille qui est légèrement supérieure au Walther, mais le principe reste exactement le même dans sa simplicité. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent la technique du Walther, qui est éprouvée, puisque le Walther date de 1929. C'est une arme qui marche très très bien, qui est un peu un symbole en Allemagne d'ailleurs, puisque c'est des armes qui sont données comme récompense aux plus méritants des militaires, que ce soit des officiers, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans la marine, que ce soit les commandants de sous-marins, quand ils ont coulé un certain nombre de tonnages. Ils sont récompensés par l'état-major allemand
Même Adolf Hitler remet des armes à des officiers méritants, en précisant d'ailleurs, et sur ces armes-là, on retrouve d'ailleurs la croix gammée qui est gravée sur les plaquettes. Alors si j'aborde le sujet du Troisième Reich, je parle du Troisième Reich, d'Adolf Hitler, de croix gammée, je ne voudrais pas qu'il y ait d'amalgame, et je voudrais simplement préciser une chose avant de commencer. Il est hors de question que je reçoive des commentaires haineux, racistes, antisémites, islamophobes, et j'en passe. Je parle simplement de façon historique de ces armes-là, mais je ne peux pas, si vous voulez, vous parler d'une époque sans vous donner des noms. Le Troisième Reich a existé, la Croix gammée a existé, Adolf Hitler a existé, je suis obligé d'en tenir compte. D'ailleurs, cette arme a été utilisée par Adolf Hitler dans son bunker à Berlin pour se suicider. Donc, soyons clairs, il n'y a aucune nostalgie dans mes propos, c'est simplement des propos historiques. Alors, Makarov va travailler sur son projet de pistolet. Il va préciser à son bureau d'études, aux ingénieurs qui travaillent dans son bureau d'études, qu'en fait, il veut une arme qui reprennent exactement la technique du Walther, mais en la simplifiant. Alors ça, c'est ce côté assez génial que peuvent avoir les Russes dans tous les domaines, hein, que ce soit dans l'aviation, que ce soit dans l'espace. D'ailleurs, quand on regarde aujourd'hui pour rejoindre la station internationale, il nous reste que les Soyouz, en fait. Hein, les navettes américaines ne sont plus en fonctionnement. Tout simplement parce que les Russes ont cette faculté de fabriquer des systèmes avec des mécaniques qui sont très très simples. Donc Makarov insiste au niveau de ses ingénieurs en disant « je veux un pistolet qui soit le plus simple possible ». Alors pour vous donner une idée de simplicité, on arrive quand même sur le Makarov à 27 pièces en tout. En tout et pour tout, on a 27 pièces. On en a 32 sur le Walther. On en a 33 à 34 sur les nouveaux pistolets Glock, et on en a jusqu'à 55 sur les Beretta 92FS. Donc pour vous donner une idée, on part d'un principe simple, moins il y a de pièces en mouvement, et moins on a de problèmes, et moins on a d'incidents. Alors si on regarde un peu ce pistolet dans le détail, si on rentre un peu dans le détail, on se rend compte en fait qu'il est assez dénudé de toute inscription et de tout marquage. On n'a pas grand chose sur cette face en particulier, on n'a rien, aucune marque qui pourrait nous donner une indication concernant cette arme, à part l'étoile bien sûr, on n'a rien. Si on regarde sur l'autre face, on se retrouve avec des inscriptions, des marquages et des poinçons qui sont assez simplifiés. Alors on a au niveau de la culasse des marquages ici, on a un A et un signe ici bulgare, puisque cette arme est fabriquée en Bulgarie. Quand la Bulgarie passe dans le bloc de l'Est, les arsenaux sont rebaptisés et l'arsenal qui est à Rousset, en Bulgarie, va porter le nom d'usine numéro 10. Donc on retrouve ici le 10 cerclé qui est l'arsenal, donc l'usine numéro 10. On a ensuite le A de série de fabrication, une lettre ici qui correspond en fait à un G dans l'alphabet bulgare, et ce G correspond à l'année de fabrication. Donc c'est le G correspond au 1960. Donc cette arme est de 1960 et ensuite on retrouve les numéros de série. On a un tout petit marquage ici sur la carcasse qui est le CIPN, qui est en fait un marquage européen d'épreuve uniquement. Alors si on regarde un petit peu ce pistolet dans le détail, sachant que les Russes ont bien retenu la leçon par rapport au Tokarev. Donc bien évidemment, on se retrouve avec la sécurité ici. Exactement comme sur le Walther. Hormis un tout petit détail, c'est que la position feu n'est pas tout à fait au même endroit. Là, elle est en haut, là, elle est en bas. Le principe reste le même. C'est-à-dire qu'en fait,
lorsque vous armez le chien ici, si vous remettez en position sécurité, le chien vient en position. Il faut redonner, il faut réouvrir la sécurité pour lâcher la détente. Et bien évidemment, on a exactement la même chose sur le Makarov. C'est-à-dire que quand on met en sécurité, le chien se met en position sécurité. Donc on n'appuie pas, bien évidemment, sur le percuteur qui est ici, puisqu'on a un système sur le chien qui permet d'éviter le percuteur. On reprend exactement les mêmes fonctions et on fait exactement la même chose. Au niveau du chargeur, bien évidemment, ils ne reproduisent pas la même erreur que sur le Tokarev, avec un ressort chargeur qui est très costaud, qui permet d'être sûr de ne pas perdre un chargeur sur un champ de bataille. Ensuite, au niveau des montages, on a exactement la même chose que sur le Walter, c'est-à-dire qu'on va utiliser le ponté qui est ici pour libérer la culasse. Donc exactement le même principe sur le Makarov. Le ponté vient se coincer ici sur la carcasse et là, on a libéré la culasse. Il suffit. Là, on va mettre le chien en position pour avoir moins d'efforts à la sortie parce que les Makarov sont quand même assez résistants, ils ont des ressorts énormes. Et là, on tire complètement sur la culasse pour la libérer, pour la sortir. Donc là, on a exactement la même chose. On a un énorme ressort qui est en position ici. Alors, on peut sortir le canon ici avec une goupille qui est là. On va pouvoir sortir ici l'entrée, cette petite pièce qui sert d'entrée à la munition. On libère par cette goupille-là et on sort l'ensemble du canon qui est ici. Mais le canon est fixe, ce n'est pas un canon flottant. C'est ce qui fait d'ailleurs que cette arme est très très précise. Et la mécanique qui est derrière, qui est intégralement reprise sur le Walter. Que ce soit le connecteur, que ce soit au niveau du chien, tout est repris. Donc ça, on aura l'occasion de le voir sur le Walter lorsque je vais vous faire le film qui va être dédié justement à cette arme-là. On se retrouve avec une crosse qui est très simple puisqu'on n'a pas deux plaquettes à l'inverse du Walter. On a une seule qui englobe la carcasse avec une vis à l'arrière qui permet d'enlever la plaquette très facilement. Tirant dessus. Voilà un peu à quoi ressemble l'intérieur du Makarov. Bon, vous aurez compris qu'en fait, on ne peut pas être plus simple. Alors, quand Makarov décide et demande à ses ingénieurs de simplifier la mécanique de ce pistolet, là vous avez un exemple qui est assez parlant de simplicité. Vous avez un ressort ici, c'est une seule pièce en fait, ce ressort-là, qui est utilisé d'une part pour le crochet de chargeur, ressort pour le chien, ressort pour le déconnecteur et ressort pour la queue de détente. Donc en fait, on se retrouve avec une pièce qui a quatre fonctions. Donc vous comprenez mieux pourquoi on a quelque chose de très 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 simple. Au niveau de la culasse. Alors la culasse, c'est vraiment une des culasses les plus simples qui existent sur le marché. Alors c'est une culasse qui est entièrement fabriquée par usinage. Elle est entièrement usinée. Si on regarde bien à l'intérieur, on n'a pas 50 pièces, on n'en a aucune. On va retrouver le percuteur à l'intérieur, vous allez voir tout à l'heure, mais on n'a rien. Entièrement, pièce entièrement usinée. L'extracteur qui est ici, qui est exactement le même extracteur
que sur le Walter. On copie exactement la même chose, c'est la même pièce. Donc là, en fait, bon, on a trois pièces. Hein. On a l'extracteur proprement dit, on a un petit poussoir qui est ici, et qui lui est monté avec un petit ressort derrière. Donc là, on a trois pièces. On a la hausse qui est ici, dérivable. Donc on va dire qu'on a quatre pièces. Et ensuite, le bouton de sécurité, qui lui, quand il est basculé complètement, peut être sorti. Et une fois qu'on a sorti le bouton de sécurité, on libère le percuteur, qui est un percuteur triangulaire, très très simple, monté flottant. Vous avez vu qu'on n'a pas de ressort, donc si un jour vous démontez un Makarov, n'ayez pas de surprise, hein, ne pensez pas que le ressort est manquant, ou que vous l'avez perdu au démontage, il n'y a pas de ressort. C'est monté flottant. Donc système triangulaire, un peu baïonnette. Voilà le principe. Ici, on ne peut pas être plus simple. Donc en fait, on a dit une pièce, deux avec le percuteur, trois avec le bouton, ici, quatre, cinq et six. On a six pièces en tout. Remontage, c'est très simple. On met en place le bouton de sécurité. On remet en place le ressort, qui est déjà un ressort costaud. Et ensuite, le remontage, qui est un peu à la russe, c'est-à-dire que c'est assez costaud. Voilà. Là, on a remonté le pistolet, on remet la crosse en place. Chargeur. Et le Makarov est remonté. Donc voilà en fait l'histoire un peu de ce pistolet et l'original qui a servi à fabriquer cette arme-là. Alors le Makarov est distribué dans tout le bloc de l'Est, fabriqué en particulier en Bulgarie, et est considéré au XXe siècle comme l'arme de poing la plus sûre de tout ce qui existe au niveau fonctionnement. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelque chose de très, très, très fiable, ce qui veut dire que au combat, ce sont des armes qui sont assez redoutables parce qu'on n'a jamais d'enrayement, on n'a jamais de soucis, on n'a jamais de problème avec ces armes-là. Donc c'est vraiment typiquement russe de la fabrication de cette époque-là. Parce que cette arme-là sort définitivement en 1951. En 1949, l'arme est retenue, c'est-à-dire que le prototype du Makarov, parce que c'est un prototype à l'époque, en 1949, avec sa munition 9 mm Semin ou Makarov, est retenue. Et la fabrication va démarrer en 1951 dans le bloc de l'Est, puisque certains pays, et en particulier la Bulgarie, va avoir toutes les licences pour pouvoir fabriquer ces armes-là. Et ces armes vont être distribuées sur toute la planète. On va les retrouver pratiquement dans tous les conflits. Leur technique et leur fiabilité va faire en fait que cette arme-là va être déclarée au XXe siècle comme étant l'arme la plus fiable et la plus efficace sur le marché des armes de poing. Les Américains en sont friands. Tout ce qui vient un petit peu du vieux continent, que ce soit russe ou européen, ils adorent. Mais ils adorent aussi cette arme-là parce qu'elle est assez compacte, assez légère et surtout très très efficace. Donc pour la défense, les Américains adorent le Makarov. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette arme-là, qui est assez assez extraordinaire, je trouve, hein, pour voir à peu près quand on remonte à cette époque-là. La prochaine vidéo que je vais faire, c'est une vidéo de tir, de pénétration, toutes les munitions que je vous ai présentées sur les armes russes. On va regarder un petit peu ce que ça donne, entre du Tokarev, du Nagant, du Makarov,
petit peu tout ça. Et on va faire les essais sur les tôles pour voir un petit peu l'efficacité de certaines munitions. Voilà, donc prochaine vidéo courant mai si tout se passe bien. Et je vous souhaite, comme on dit souvent, bon tir d'abord.